à toutes et bonjour à tous, c'est Romano pour la suite de Golden Sun. Et dans la vidéo précédente, nous avions découvert que des bandits ils avaient volé des trucs. Et on avait récupéré un bâton qu'on a redonné à Ivan, évidemment, pour qu'il puisse aller ramener à son maître. Donc on est plus que deux alors qu'on avait un Ivan avec nous, quel dommage. Mais c'est pas grave, on va y aller, on va continuer notre route, nos péripéties. Et donc pour continuer, on va aller à l'est. Pas que je me trompe entre l'ouest et l'est, hein. Autant je ne confonds pas ma gauche et ma droite, autant l'est et l'ouest, j'y arrive pas. Allez, on va pas attaquer comme ça. En plus, on a l'initiative, il y avait écrit qu'on a l'initiative, donc on attaque en premier. On a un tour gratuit, voilà. Comme les manèges quand vous avez les pompons. Une petite vermine, ok. Bon, pour l'instant, hein, c'est une ennemi de base. Ah, il a fui, ok. Ça fait pas d'XP, c'est pas grave. Allez, on arrive à la grotte, et cette grotte qui est très facile, très courte. Certains vont dire une expression bien connue, on va faire un petit truc. Oh, une apparition. Ah, surpris, cette fois c'est l'inverse. Une grotte qui n'est pas du tout difficile, et on va avoir un nouveau djinn, justement. Alors on attaque tout à la main, parce qu'on tape assez fort. Lui aussi, hein, il tape fort. Et il a fait un coup critique. Voilà. Goutte d'huile. Alors, goutte d'huile, qu'est-ce que c'est? Je vais le montrer tout de suite. Ça c'est bien de le mettre à un personnage type O, si on en a un, évidemment. C'est en fait, ça inflige des dégâts de feu, c'est une espèce de magie qu'en fait on n'a pas besoin de... Je vais y arriver, on n'a pas besoin de points de synergie. Putain, j'ai mis 10 ans à trouver ce mot. Qu'on peut utiliser ça gratuitement, alors c'est bien de le mettre dans un personnage qui par exemple est de l'eau. Parce que s'il tombe sur un autre personnage haut, il ne pourra pas faire de d'eau, s'il craindra pas. Donc avec la goutte d'huile, bah, vous pourrez faire des dégâts. Voilà, tout simplement. Parce que oui, c'est inversé tout ça. Alors, pour ce passage-là, en fait, il va falloir venir ici. Parce que vous pouvez voir qu'il y a des herbes un petit peu qui sont sur le mur. Je me demande qu'est-ce que c'est. Donc on a pu voir par là que... qu'on était coincé, et on va utiliser la technique déplacée, voilà, de Vlad pour pouvoir passer ici. Voilà, on va arriver justement là où on doit aller, et quand on va pas pouvoir faire grand chose à part faire bien sûr un déplacement. Mais le problème du déplacement, c'est qu'on peut pas, il est coincé à cause des herbes justement. Donc comment on va faire? Bah, tout simplement, il suffit d'arrêter sa synergie. On dirait même pas une souche, on dirait un gros rocher marron. En fait, c'est oui, c'est en fait, j'ai des conneries, c'est pas des trucs en pierre, c'est vraiment des armes. Mais enfin, pour moi, on dirait pas, moi. Alors. Ivan qui est revenu, qui nous fait un petit tourbillon, parce qu'en fait avec tourbillon il va enlever les feuilles qui coincent la souche. Plus loin tu franchement on dirait un rocher le truc. Enfin bon. Oula, il a pas arrêté, j'ai un peu vite, il a pas arrêté de penser à notre mission depuis le départ. Voilà. Toi ta petite musique. Oui, on essaie d'aller à Biblin par cette grotte. Je vais trop vite des fois, mais j'ai tellement l'habitude de ce jeu que les dialogues je les connais, je les passerai rapidement que les autres. Allez, un petit déplacé parce que j'avais mis un raccourci sur ma manette. C'était possible de mettre deux raccourcis. Voilà, et là on va faire tourbillon avec Ivan pour virer le feuillage. La musique un peu stressante.
Donc, passer par en bas normalement, mais on va voir ce qu'il y a. Ce qu'il y a en haut. Voilà, on va faire que de la magie. On va faire feu, je vais vous montrer feu. Et imaginez au niveau 3, parce qu'il y a 3 niveaux de magie à chaque fois, c'est le nombre de petites boules qui va augmenter. Imaginez-vous là, et quelques ça aura à la fin. À part si on a le temps de les voir, hein, s'ils meurent pas avant. Petit tremblement parce que c'est pourri. Voilà. Feu. Vous voyez, ça c'est le niveau 1. Imaginez le niveau 3 du truc. 28 points d'XP, c'est vraiment pas mal. Donc en haut, on ne peut rien faire. Bon, ce sera pour plus tard. Je comprendrai. Alors là, on a donc... Alors le zombie, je crois qu'il craint le feu normalement. Je suis pas sûr. Mais on va quand même bourriner comme des enfoirés sur lui. Donc les chauves-souris qui prennent très très cher. Et le zombie qui a pris cher aussi finalement. Il y a une herbe qui permet de remettre des points de vie. Comme beaucoup d'RPG d'ailleurs. Donc cette grotte est vraiment très facile. Hein. Il y a juste un truc qui sera aléatoire que je vais vous expliquer. Ah, il a esquivé le coup. Dommage. Alors, le squelette il craint donc la terre, pas le feu. J'ai cru que c'était le feu qui craignait. Wow, quel handicap. En plus, il a raté. Alors, ça m'aurait baissé ma défense, hein, tout simplement. On a vu une espèce de bouclier. Ah, mais il évite tous mes coups aujourd'hui, hein. Bon. Alors, ça, on y reviendra après. Alors, à droite, normalement. Alors, à droite, très important. Vous pouvez voir qu'il y a un jean de feu en haut. Il va falloir essayer de l'atteindre. Donc là, il y a le monsieur. Vous avez vu quelque chose de bizarre par là? Je l'ai combattu, mais il a fui. Quand je suis revenu, je l'ai vu à nouveau. Je me demande s'il aime cet endroit. Parce qu'en fait, ce jean, plus tard on y arrivera. Mais il faut savoir que dans le 1, le 2, je sais plus si ça avait été arrangé, je crois que oui. Mais dans le 1, en fait, les jeans, vous pouvez, quand vous êtes dans des... Par exemple, vous les trouvez en ville, vous combattez pas parce que c'est un endroit qui est assez calme. Alors que dans des grottes, il y a des monstres, il va devenir agressif, il va se battre contre vous. Et le truc, c'est que parfois, il va fuir. Ça peut être au premier tour, au deuxième tour, au troisième tour. Et s'il fuit, il faut juste revenir dans la salle précédente et revenir et le recombattre. Voilà, c'est un peu chiant, hein, mais bon... C'est comme ça. Et là, pour l'atteindre, il va falloir déplacer un truc. Vous avez pu le voir. Hein. Une petite vive lame. Un seul coup, c'est dommage, c'est pas assez puissant. Vite. Il va falloir passer cette souche. Putain, on dirait vraiment un rocher. Vraiment, j'ai du mal à me faire avec ce mot souche ou tronc. J'ai l'impression que c'est un pire le truc. Et en fait, si vous le poussez jusqu'au bout, vous allez entendre un clic. Voilà. Parce qu'en fait, si vous le déplacez pas jusqu'au bout, quand vous allez sortir de la salle et revenir, il va pas se coincer, il va revenir à sa position de départ, alors que là, il bougera plus. Bon, il y a beaucoup de cas où il n'y a pas de truc pour les coincer comme ça, évidemment. Là, c'est fait exprès. On va mettre sur la vermine, on va faire un petit rayon. Ah, il est pas mort. Ah, j'avais bien fait d'attaquer. Avec un petit coup critique à 32, ça fait plaisir. Je pensais monter de niveau bientôt, mais non, toujours pas. Allez, on passe ici maintenant qu'on a très important de pousser ce rocher, sinon vous pouvez pas voir le jean. Quel nul je suis des fois. C'est vraiment une grotte, y a rien à faire dedans, y a juste à avancer jusqu'au bout. Allez, j'aime bien attaquer normalement, ça va vite, même si il meurt pas. Pas mal. On va faire ça, ça, ça. Le zombie de gauche va mourir avec le rayon. Donc j'ai plutôt visé celui de droite pour que ça fasse un peu plus mal pour pouvoir le buter derrière. Et Vlad qui monte niveau 5. Et Yvan qui passe niveau 5. Pas mal. Je soigne les 3. Hop, voilà, c'est bon, on peut continuer. On passe ici. Alors là, on va faire un coup de déplacé. En fait, ce qu'il faut faire, il faut déplacer ce tronc. Je vais dire rocher, ça, enfin, ça m'énerve, mais je vais dire rocher. Hein. Vive l'âme, allez, deux coups. Merde. Donc, faut le déplacer pour pouvoir passer en fait en dessous. Tranquille. Là, on va aller voir ce qu'il y a dans le coffre. Si je me souviens bien, il y a pas grand chose d'intéressant. Je sais plus ce qu'il y a dedans, par contre.
Ah, un porte-bonheur, ok. Porte-bonheur qui servira dans une autre ville. On stocke là, mais bon. On n'a pas forcément besoin. Hein. Voilà, on passe au rocher, sur le rocher qui vient de tomber. Si, à chaque fois que je dis qu'il faut faire un truc, je me prends un combat. Donc là, par contre, je vais... Non, avec lui, je vais juste attaquer sur les côtés. Lui, il va faire feu. Et lui, il va faire rien. Allez, les zombies craignent le feu, mais les squelettes craignent la terre. Voilà, c'est faut que je me souvienne de ça. Ça peut être important. Voilà, on passe tranquille. Alors pour sauter, il suffit juste de pointer la direction et c'est bon. Allez. Ils auront pas vécu longtemps. Hein. Et c'est parti donc pour ce... Alors normalement je sauvegarde, mais bon j'ai envie de dire ça sert à rien, j'ai juste à faire un retour et revenir s'il fuit. Mais alors y a rien pour l'empêcher sauf si vous avez des techniques genre sommeil ou des choses dans le genre, mais là y a pas trop le choix. Et c'est parti pour le combat. On va attaquer normalement parce qu'il craint pas et on va faire du rayon. Alors s'il peut fuir dès le premier tour, deuxième tour, c'est aléatoire. Plan B, ça va. Ça devrait bien se passer, je crois qu'en deux tours je le bute normalement. Allez Vénus, tu le tues. Ouh, aïe. Oh ça va, il est encore là. Il fuit pas. Voilà, on a vécu en deux tours. 28 points d'XP, alors ils donnent pas mal d'expérience en général. Même s'ils sont pas très durs, c'est quand ils fuient que c'est chiant. Garde niveau 5, ok. Et maintenant il va venir chez nous. Et là, faire comme des flammes, ça c'est super classe ça. Comme il fait, ça fait vraiment flamme. Ça respecte bien le feu. Le djinn de marge rejoint Forge, rejoint Garrett. Ok. Je les connais par cœur les emplacements, pas besoin de dire qu'il y en aura d'autres. Hein. Et on va le lier pour qu'il gagne des points de vie, de l'attaque, de l'agité et de la chance. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Et toi, tu vas soigner tout le monde parce que vous avez quand même bien morflé, il faut le dire. Donc, Yvan est un personnage très très faible en termes de constitution. Allez, c'est parti pour des gros gros méchants. On va faire feu encore, on va faire rayon. Et vu qu'il donne beaucoup d'XP, c'est pas très grave. Double coup, 37, c'est pas mal pour une attaque normale. 37, c'est vraiment pas mal. C'est mieux que la magie, quoi, avec une attaque qui prend 0 point de synergie. C'est vraiment bien. Alors là, ensuite, on le pousse vers la gauche. Voilà, il va tomber. Ce qui permet de revenir, si on le souhaite, on peut revenir ici, en fait. Bon... Ça n'a pas d'intérêt, c'est imaginons que vous avez raté une fois parce qu'il a fui, vous avez cru qu'il reviendrait pas. Bah vous pouvez revenir par là quoi, si vous voulez, pour aller le capturer. Enfin bon. C'est pas très très important. Et là on va pouvoir sortir de la grotte. Et voilà, on arrive à la fin de la grotte, elle a été très courte. D'ailleurs la vidéo elle aura pas énormément plus longtemps. Par contre on va entrer directement dans le building, vous allez voir quelque chose de bizarre. Regardez-moi ça, un arbre. On dirait un homme, alors ce qu'on fait... donc c'est select, parce que si vous avez... En fait vous pouvez ouvrir le menu soit avec select, soit avec A, mais A ça parle, donc il faut éviter. donc si, on va regarder, on va faire télépathie. Aidez-moi. Donc vous voyez que c'est donc un homme qui est derrière ça, et on sait pas trop ce qui se passe. Bon, par contre je vais vous montrer un truc, on va pousser cette statue, on va rentrer dans le truc. Et vous pouvez voir qu'il y a un djinn, donc d'air. Entrepôt caché de McCoy. Le mec il est enfermé à un rue. Et donc là on pourrait dire ah bah c'est bon, il suffit de déplacer la statue. Le problème c'est que le seul moyen c'est de la tirer vers l'arrière. Je vais vous montrer. Je sais pas si on peut ici. Dans ce sens là. Enfin, on peut. Le problème c'est que je peux pas passer quand même. Voilà. Et je pourrais pas le tirer plus loin après. Donc il va falloir trouver un autre moyen. Vous pouvez voir que sur la gauche il y avait une autre sortie. Et si on remarque bien à gauche, on peut presque se déplacer. Hop, là, ici. Vous voyez, à gauche, il y a des plantes qui cachent quelque chose. Donc, on va passer sur la droite pour, en fait, faire le tour en passant par les remparts. Donc, c'est pas très hygiénique. On va pousser par le haut. Voilà.
Et on va faire tourbillon. Et après on ira faire un petit tour en ligne. Et cette fois on va pouvoir déplacer. Parce qu'en fait on imagine que le trou est pas assez grand pour accueillir la statue, alors on est obligé de déplacer vers le bas. On pourrait dire ça, hein. Et donc si vous voulez, vous pouvez pousser. Enfin, c'est surtout trop petit, non, on peut pas plus pousser plus, j'ai cru qu'on pouvait. Pas grave. Allez, maintenant, alors comme on est dans un endroit qui a pas d'ennemis, il viendra directement chez nous. Et ça c'est bien. Souffle rejoint vivant, et ça va lui permettre un petit peu de souffler. Parce qu'il va gagner des PV, de l'attaque et de l'agilité. Bon, l'agilité il avait pas forcément besoin, puisque 40 en agilité... C'est quand même le perso le plus rapide du jeu, hein, et donc il n'a pas forcément besoin de rapidité. Donc je pensais qu'on peut pousser la statue, mais bon, ça c'est pas très grave, on va perdre quoi, 2 secondes. Juste deux petites secondes à faire le tour. Donc on va faire un tour à Lynn pour se changer les points de vie, hein, pour moi les remettre à zéro. Enfin, à fond plutôt. On va faire un tour en magasin aussi, pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Après je sais pas si je lance la quête sans là aller beaucoup plus loin après, je sais pas encore. Vous voyez qu'il y a quand même des personnages avec des têtes différentes. Je trouve que c'est assez varié, même si on le retrouve souvent aussi les mêmes gueules, hein, faut pas déconner. Mais je trouve ça assez agréable de voir beaucoup de personnages différents. Alors je vous montrerai le magasin d'objets plus tard, je vais aller au magasin d'armes qui est ici. Armes et armures. On va regarder déjà les armes dans les reliques. Les reliques c'est vraiment les armes rares. Et vous voyez, il y a deux. Il y a ce bâton qui lance pénombre et celui qui lance électrocution. Il est cher. Mais il est très puissant, je vais pas pouvoir l'acheter. Habituellement, moi je suis du genre à beaucoup faire de level up, donc avoir beaucoup d'argent. Là c'est pas le cas, donc je vais essayer de faire avec. De toute façon, le bâton, il y a que Yvan pour l'instant qui veut l'utiliser. Enfin, je dis pour l'instant, c'est parce que le quatrième perso pourra en utiliser lui par contre. Mais le troisième personnage, donc Yvan, on ne veut pas que lui qui peut l'utiliser, et de toute façon, il tape pas fort. Même avec un. Même si les attaques comme ça d'armes elles sont puissantes, ça restera pas assez puissant par rapport à ses magies. Mais ça peut être intéressant. À la limite, ce que je peux faire, c'est que je pourrais prendre pénombre. Ça fait cher quand même, hein, faut le dire. Donc il y a des nouvelles armes, il y a une glaive à 1000 pièces. Ça, c'est juste des armes qui font rien de spécial. Hein. Qui donnent beaucoup d'attaques, faut le dire, mais elles sont aussi très très chères. Donc pas non plus dépenser à loisir. Contre là, on a des nouveaux trucs de défense. Alors, au niveau armure, on a des nouvelles armures. Elles sont très chères, vous voyez. Si je fais pas de develop, je vais galérer à avoir des trucs de bonne qualité. Mais globalement, eux, ils ont quand même une bonne défense, ils ont beaucoup de points de vie. Peut-être pas forcément utile que je leur achète des choses. C'est vrai que là, ça fait mal au cul parce que ça coûte, les autres trucs coûtent pas grand-chose non plus. Donc je peux pas faire grand-chose si je m'entraîne pas. Et d'ailleurs, il y a quoi comme bâton, lui? Bâton chaman. Ok, on peut vendre ce bâton là qui sert à rien. Voilà, alors ça peut... aider parce que les autres jouvences ça coûte 2250 pièces. Voilà, mais ça permet aussi de ressusciter des persos donc. Donc pour l'instant, niveau des armes, il n'y a pas forcément besoin d'acheter. Par contre, niveau armure, je vais quand même acheter pour Yvan qui est vraiment assez faible. Voilà, une robe parce qu'il porte des robes. 30 têtes pour le vigier, c'est pas trop, c'est pas mal. Ticket de jeu, il va nous donner un Garrett. Le bouclier, bon, ça coûte assez cher. Je vais par contre prendre une armure pour Vlad, parce qu'il aura quand même besoin d'un peu d'armure. Voilà. 37 pour le jet de voyage. Okay. Encore du ticket de jeu, ça c'est un petit peu aléatoire, j'ai l'impression. Au début on en a beaucoup, après beaucoup moins. Et la tiare, il en a déjà une. Ouais, il en a déjà une. Je sais plus ce qu'il peut porter. Il peut porter un chapeau. Mais bon, voilà, en termes de défense, il est à peu près comme nous. Donc on va rester comme ça, j'ai pas beaucoup de pièces, on va les économiser quand même. Voilà. Donc je vais quand même sur cette vidéo lancer la quête suivante pour qu'on comprenne pourquoi les arbres sont comme ça. Allez, c'est parti. Alors voilà, je vais vous montrer un truc puisque vous voyez, il y a une espèce de fruit, donc je peux toujours essayer de faire déplacer, hein, ça marche pas. Et en fait, je vais vous montrer comment on attrape ça. C'est qu'au début, la mère nous donne la pierre larcin. Donne attraper si équipé. Donc on va l'équiper. Par contre, il faut bien se placer, hein. Hop là, on va dire que c'est à peu près là, j'ai un peu du mal. Et avec attraper, on peut attraper les objets distants. Hop là, et voilà, une noisette pour nous.
Alors la noisette, qu'est-ce que ça fait? La noisette, ça donne 200 points de vie, c'est pas négligeable, c'est très utile, surtout au début. Ça donne vraiment pas mal de points de vie, donc on va aussi donner à Garrett qui a beaucoup de points de vie. Donc on va parler à ses soldats. Donc là il va y avoir une histoire, donc la malédiction, comme les arbres qu'on a vus. Voilà, on nous demande si on pense être à la hauteur, oui. Donc c'est une mission que j'aime bien, en même temps j'aime pas, parce que la mission elle se fait en deux temps, et je suis pas très fan des missions en deux temps. Moi quand je commence une mission, j'ai envie de la finir tout de suite, quoi. Ok, bon, on y va directement. Voilà donc Monsieur McCoy. La musique vraiment de château, quoi. Et bien sûr, on est des enfants, alors hein, on est 17 ans, c'est pas assez grand. Non, on vient là, mais non, on n'est pas capable, non. C'est quoi? Ça, c'est vraiment les genres de questions qui m'énervent, c'est con. C'est à côté, ça va. Oui, c'est irritant. Maintenant, je serais comme lui, j'aurais peur de me prendre un, de me redevenir un arbre, quoi. Vraiment, si on devait se résurrectionner en truc, en arbre, c'est le pire. Après, on vit longtemps. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde longtemps en tant qu'arbre, putain. En plus, après, on vous coupe les bras, tranquille. Ça doit faire super mal. Non, l'arbre, non. Et comme ils disent dans la série H, les chiens, ils te pissent dessus, en plus, c'est honteux. Donc je comprends très bien qu'on veut pas être un arbre. Il semble consentant. Dit comme ça, ça fait... Ah non, non, j'ai vraiment des idées perverses. Il récupère la clé, enfoiré. Le mec, c'est un seigneur, mais il parle comme un jeune. Vote bien. Je veux pas parler, je veux pas continuer à en parler, Captain. Allez, ramène-nous dehors. Comme ça, j'ai fini la vidéo. Ouais, super. Et attention. Attention, attention. Qu'est-ce que... Alors là, c'est pour nous aider, hein, parce qu'on n'allait pas du tout le y penser, hein. Moi je dis Bibiline. Vous ne promettez que vous n'irez pas avec lui? Non, je promets rien du tout. Et si, c'est très bien. Voilà, il a dit qu'on n'a pas besoin de la clé. Donc voilà. Et donc avant de terminer, on va faire un tour dans le château. Je sais même plus s'il y a des choses. Bon, on va visiter, hein. Faut bien visiter un peu les endroits où on va. Ou la chambre de je sais pas qui. Je veux pas savoir. En plus, ça a pué, hein. Ouais. La chambre... de Lady. Ah, c'est la chambre de la femme, donc ok, non mais non. Ça sent trop la rose. Et la vraie rose, hein, c'est pas la fausse rose.
Ah, là, il y a un... J'ai envie d'y aller, là. Vous avez entendu? Hein? Qui conviendra à bout de mission les aura mérité? Bah, je vais venir, hein, t'inquiète pas. D'ailleurs, je crois que je les ai jamais pris. Je suis même pas sûr qu'on puisse, en fait. Ah, putain, ça, c'est un peu chiant pour se mettre en face d'un truc qu'on veut. Ouais. Parce que le... Ah! Là, il trouve. Bon, allez, hop. Donc, ici, y a rien du tout. Ah, y a là... Bon, je me promène 100% pour ça. Je visite jamais les châteaux. Fumigène. Ça, c'est pour les rendre des ennemis aveugles. Je n'utilise ça jamais. Jamais utilisé ça. Ça rate tellement souvent en plus. Je regarde quand même s'il n'y a pas un petit coffre quelque part que j'ai jamais ouvert. Ah, Coucou les dames. Et enfin pour finir, est-ce qu'il y aura quelque chose à trouver ici? Il y a un vieux, c'est pas mal. Bon ben je me barre, ok. Est-ce que je peux lui mettre dans la tête, lui faire un petit télépathie? Ok, bon, on va arrêter là, hein. Je me souviens parce que je me souviens plus s'il y avait quelque chose, mais à part le endroit où il y avait des coffres, il n'y a rien du tout. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo, hein, pour celle-là en tout cas c'est fini. J'espère quand même que ça vous aura plu, comme d'habitude, hein. Moi j'adore ce Golden Sun, j'espère que je vous montre en disant des blagues pourries. Donc n'hésitez pas à passer sur amatest.com et amatest.xoid.fr ainsi que sur la chaîne amatest.com qui regroupe toutes les vidéos de la qualité d'Amatest. Je vous montre rapidement, pas de rareté. Et on achète quoi? On achète tout ce qui est du guérison de poison, tout ça. Et empêcher les rencontres aléatoires. Mais ça, je le garde avec moi. Enfin, j'en prends pas plutôt. Voilà. Gros bisous à tous et à la prochaine pour la suite de Golden Sun. Et je vais attendre devant l'entrée. Parce qu'il va falloir aller encore à l'est. Allez, salut tout le monde!